ne vois pas la boutique. Mais parce que moi, si je vais à la boutique, je suis à peu près sûr de ne pas trouver. Exactement. De pas trouver ce que c'est grave, c'est grave. Moi, par exemple, je voulais un maillot de. Je suis un peu con, hein, mais je voulais un maillot de gardien du club. Je me suis dit, c'est quand même trouvable. Et je suis même pas allé à la boutique. J'ai demandé sur les groupes, ouais, maillot de gardien. Et là je connaissais d'avance sa réponse. Non, il n'y a pas. Non, ah, non. Voilà. Par contre, il y a maillot de gardien des féminines. Ah, alors, je m'en fous, je veux qu'on m'explique. Ou les maillots de rugby, ça, ils ont beaucoup. Qui a voulu. J'ai osé faire l'expérience d'avant-match. J'ai osé. Quelle erreur. Allez, 20 minutes. C'était quand une demi-heure avant. Ils vendent des tickets, des fois, à la boutique. Donc, moi, j'étais avec mon t-shirt comme un con. Et en fait, tout le monde devant moi, dans la queue, il voulait acheter un billet. Donc, j'ai abandonné mon t-shirt, je l'ai pas acheté. Pourquoi? Enfin, c'était le polo blanc du Servette. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et des gens qui achetaient pas des tenues du Servette. Mais cette boutique, vraiment, c'est quelque chose. Il faut en faire quelque chose. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu qu'ils ont ici. Le FIFA 20, il est très beau, mais je comprends toujours pas le logo derrière. Sortez des limites. Ouais. C'est pour tout le monde, en fait. Tous les clubs, ils ont les mêmes choses. C'est juste qu'on a le logo du club en plus, la couleur, mais c'est écrit pareil. C'est très, très moche. Ouais. Par contre, là, de nouveau, il y a un problème de prix. Je veux dire, FIFA normal, il est 60 ou 70. Là, il est 90. Alors, oui, on va me dire c'est l'édition collector. Mais le seul tout de différence, c'est juste la boîte. Voilà, exactement. Du coup, tu payes 20 balles de plus pour un bout de papier et plastifié. Et ça, de nouveau, c'est une erreur marketing. Je sais pas. Moi, qui n'ai pas signé par les joueurs, parce que là, il sera à 200 balles. Ouais, ouais. Non, et puis si tu rajoutes les frais de livraison en plus, parce que les frais de livraison aussi, ça faut le dire. Hein. Ah oui, et la douane, les frais de douane. On n'est pas dans l'Union Européenne, hein, ça coûte cher. Hein. Maillot, si tu regardes les tailles des maillots, il me semble, les tailles les plus demandées, je crois, M, etc. Rupture de stock. Tout le temps, rupture de stock. Et en fait, je pense qu'ils n'ont même pas la décence de savoir, voilà, les XXL, on en prend moins. Enfin, les S et M et L, c'est ce qu'ils vendent le plus, donc on en prend plus. Ils prennent tout à 300, 100 exemplaires. Et puis après, quand c'est en rupture de stock, il n'y a plus. Voilà, je pense que c'est pas. Mais en tout cas, je peux vous dire, allez à Xenosport, essayez de chercher un maillot, bonne chance, courage. Non, ça c'est triste, ça c'est vraiment le point à souligner, et je pense vraiment que niveau marketing, c'est... Là encore, on a une boutique, mais ce qui en est fait, je pense qu'il n'y a eu aucune analyse de chiffres, de maillots, c'était... Ouais. Non mais niveau détail, j'étais allé, je voulais acheter un polo pour un ami, pour son anniversaire, je rentre dans la boutique, il n'y avait plus que du XXL pour tout. Donc, je me suis dit ok, voilà. Et pour finir, donc avec cette histoire d'XXL, j'ai acheté mon cadeau, mais j'ai juste changé de personne. Parce que les mecs, ils sont passés en arrière. Par contre, à la décharge du club, là, on est sur la page. Je veux dire que le training de sortie est vraiment magnifique. Il est très beau, bien sûr. Merci Puma. Ça fait plaisir. Non, mais c'est pas le club qui l'a designé. Mais est-ce que le mois prochain, je le chope, par exemple. Voilà, j'ai un doute, mais. Si on en...